Et oui, puisque sort aujourd'hui le 13e album de Francis Cabrel, In Extremis. Voilà, 13 albums de Francis Cabrel. Les bodegas, autrement, effectivement, c'est un jeu de mots, j'imagine. C'est un jeu de mots, oui, puisque bodegas, ce sont des caves espagnoles. C'est des caves. Una bodega, c'est une cave où on bouffe des tapas et on écoute du flamenco, voilà. Ah oui, et vous alliez dans les bodegas, Marcela Yacoub? Ça s'appelle pas comme ça, Buenos Aires. Comment ça s'appelle? Des boîtes échangistes. C'est ça. Là, chez moi, dans ma cave, il y avait des résistants qu'on cachait depuis 1942. On les a laissés sortir en 56. Oh là 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 là. Ils étaient oui, contents, hein, tous. Bah, oui, bien sûr. Bon, c'est avec ça que j'ai acheté ma première voiture. Vous nous ferez visiter. Ouais. Oh, j'adorerais aller à Buenos Aires avec vous un jour. J'y suis déjà allé. Ben oui. J'ai eu cette chance deux fois, mais j'avais pas de guide. Alors, vous seriez mon guide à Buenos Aires? Le problème, c'est que moi, ça fait tellement longtemps que je ne suis pas allé que je ne sais pas si je pourrais vous guider. Bon, mais ça a beaucoup changé, tu sais. Hein? Il y a eu des constructions, il y a eu tout ça. Ah, on ne s'y retrouve pas. Vous avez raison. La Perron n'est plus au même endroit. Vous êtes interdite de séjour là-bas? Non, mais ça fait trop longtemps que je ne suis pas allée. Ça fait 12 ans. 12 ans? Oh, ça fait rien, 12 ans. Dans une vie comme la tienne, 12 ans, c'est rien. C'est comme 12 minutes pour la tienne, c'est oui. Ça? Oui. Don't cry for me, Argentina. Merci beaucoup, à la demande générale. Oh là là. Après Madonna, Bodonon. Mais il a un beau brin de voix quand même. Si j'avais pas peur qu'il me vire, je lui dirais ce que je pense de lui.